Pouf pouf YouTube, bienvenue, Tanoa Exil, partie 4, description pour plus d'infos, on PVP sur Tanoa sur Exil, et il y a un parachutiste qui s'est mis sur notre ville, je vous avais dit que je l'avais vu mais je l'ai pas vu, c'était du flanc, je sais pas où il est, mais normalement il est pas loin, voilà, et à mon avis il doit loot, donc si je le vois pas c'est juste qu'il est dans une maison, quelque chose comme ça, donc on va essayer de le chercher discrètement. J'ai la lunette qui est mise en mode, j'allais dire en mode Kennedy, mais pff, voilà, après faut avoir un petit peu d'humour aussi, mais disons que on est ready quoi. Je te perce une pièce de 2 € à 500 mètres. Voilà, grosso modo, ça ressemble à ça. Alors, où tu sais qu'il est? Par contre, il peut me voir aussi, donc faut que je fasse gaffe. À mon avis, je pense, d'après mon flair de policier incroyable de Kélis, je pense qu'il a dû... Oh, dommage! Je pensais que c'était lui. Là, il était fini, là. Là, il était fini! You're lazy, bienvenue! Je l'ai vu! Excuse-moi. Mais la lunette, elle est mal réglée, c'est pas possible! C'est honteux! Qu'on rembourse cette lunette! Bienvenue, You're Lazy, merci pour ton sub. Comme tu as pu le voir, je suis un fin stratège et un excellent sniper. Qu'est-ce que c'est de la merde, cette lunette? Comment j'avais pour le rater? J'étais réglé sur 600 mètres. Le mec devait au moins être à 600 mètres. Non, il était à 300. Autant pour moi, c'est pas grave, j'en remets à 300. Mais enfin bref, comment j'ai fait pour le rater? J'avoue, j'ai mis 600 mètres. Bon, peut-être que c'était pas la meilleure idée. Vous avez vu la distance, le mec? Je l'ai vu de méga loin. Le mec, je l'ai vu de méga loin. Mais je me demande si ça a pas bug avec le caillou. Je me demande aussi ça. Oh là là, le mec, il courait là. C'est pas lui que je voulais tuer en plus en premier. Il va sûrement essayer de se mettre en hauteur, je pense. Je suis pas sûr qu'il sache vraiment où je suis, en plus. C'était chaud. C'était chaud, c'était le sub de l'action. On y croit. Enfin, sub, j'ai galéré. Je galère toujours, moi, à essayer de le tuer. Merci pour le sub, mais... je sais pas si je vais pouvoir t'offrir un mort, hein. J'étais bon en plus, je comprends pas comment j'ai fait pour le rater. Après, je joue jamais sniper sur Arma 3, je reconnais que... Voilà, c'est pas un gameplay que je joue souvent. Mais là, le mec était dans la lunette, quoi, je ne comprends pas. Enfin, une balle sur deux, passer au-dessus, ça retapait en dessous, ça tapait à côté. What? 27 mètres, le fils de sa race. Il a fait le tour pour me tuer. Ah, même pas, c'est un autre! Oh là là, c'était une bar mitzvah ce spawn là. Il y avait du monde de partout. Ok. Ok, je vois. Il m'a tué à 27 mètres. Donc en fait, il y a un gars qui est en face. Et il y en a qui sont derrière. C'est horrible. On va changer de spawn. C'est trop dur. C'est trop dur. J'arrive pas à jouer comme ça. Il te faut une heure pour te spawn. Enfin, pour te trouver du stuff. Tu cherches, tu vois un mec et t'as un gars dans la jungle qui débarque. Boum. On va prendre un autre spawn et on va arrêter de spawn en bambi. On va gagner un peu de temps, je pense. Parce que c'est dur. Comme Mamit, mais qu'est-ce que c'est dur.
C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. C'est vraiment un jeu pour les BG. Hein. Ouais, je préfère vous le dire. C'est vraiment un jeu pour les BG. Parce que là, waouh quoi. Je spawn en Bambi, je cherche du stuff, les lunettes, les armes et tout. Je cherche une victime, je la vois, je la bloque dans le bâtiment. J'attends, je check, et l'autre il descend derrière, il me met une balle, je meurs. Déçu. Mais après, bon, sniper, je joue rarement sniper, je sais pas trop ce que ça donne, donc du coup, voilà quoi. Alors, on va pas se mentir, c'est pas passé. Voilà. C'est pas passé. C'est tout ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est pas passé. Voilà. Fait échapper, respawn. Bah non, je sais pas, j'attends là 15 secondes, c'est bon. C'est pas grave, 15 secondes à attendre. Mais c'est dur quand même, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Oui, c'était. Ouais, je me suis pris une belle balle, mais même moi, l'action était belle, hein. Le gars, on le voit, je le bloque dans le talus. Mais bon, c'était de ma faute, je sais pas, la lunette était mal réglée. Je verrai avec eux le magasin qui me l'a fourni. Bon, bah, spawn autre part, parce que comme vous l'avez vu, c'est un peu chaud. Ah, nice. On peut spawn à Banana Plantation. Et là, il y a un truc de Mafia Supply Camp. Donc, il y a peut-être moyen de faire un truc. Où c'est qu'on peut spawn? Où ça peut être marrant sinon? Yakuka, Lifou. Allez, on va spawn à Banana, je pense, histoire de changer. On va spawn en soldat. Puis on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est bien. Il y a du PVP et tout. C'est cool. Mais ouais, c'est hard. Ouais, donc là, vous voyez, contrairement à Bambi. Là, je spawn, j'ai déjà. Je suis déjà stuff en fait. Voilà, chose. C'est peut-être pour ça que je suis mort, on va pas se donner d'excuses, hein. Mais on peut toujours en trouver par contre. Hein, c'est un truc. On peut toujours trouver des excuses. J'étais tout orange. Voilà. Et pour faire la blague d'hier, il m'a pressé. Il m'a pressé comme une orange. Donc c'est vrai que j'ai pas pu faire grand-chose. Cela dit, bon, c'est vrai que. Tant pis. Tant pis, c'est des choses qui arrivent. On peut pas gagner tout le temps, même si là je perds quand même beaucoup. Enfin, j'ai pas tué une seule personne depuis que j'ai testé le mode encore. Allez hop, on atterrit tranquille. Hop. Hop, virage à 3-6. Hop là. Parfait. Donc là, vous voyez, je suis déjà bien stuff, hein. J'ai gagné au moins 25 minutes. Je crois pas qu'il nous file des armes. C'est quoi? Le véhicule. On va le mettre là. Hop là, craft véhicule en avant. Sinon, ça va être le bordel. Boum, parfait. You crafted temporarily véhicule. Alors, il n'y a rien dedans. Alors ça, c'est un truc qui est cool. Exile nous file un véhicule déjà de base. Ça tombe bien parce qu'on est sur... C'est énorme ça, ouais. Ça tombe bien parce qu'on est sur une map qui est assez grosse quand même. Donc bon, c'est toujours sympa de pouvoir choper des armes comme ça. Donc là, je suis déjà full stuff quasiment, hein. J'ai un treillis d'officier, un gilet modulable léger, il résiste même aux explosifs. Un sac à dos et un casque léger. Bon, autant vous dire que avant j'avais pas tout ça. Et j'ai même une arme sur moi, j'ai même directement une Sting. Donc en fait, pour vous dire, le mec, enfin, je suis déjà stuff quoi, dès le début je suis stuff. Donc c'est plutôt sympathique. Oh, j'ai eu Pour peur. les dauphins continuent comme ça. C'est plutôt sympathique. Merci GG du 62, merci pour les dauphins. D'ailleurs, je vais bientôt faire l'épisode 2 des photos de vacances. Vous avez été très nombreux à faire des montages sur mes vacances. J'ai dû recevoir, je pense, une dizaine de montages. Tous les plus bizarres les uns que les autres. Et du coup, on fera ça bientôt, je pense. On fera ça bientôt, on fera ça bientôt. Mais merci. Merci pour les dauphins. Bon, comme tu peux le voir, ça a un petit peu bugué. Alors attends, on va faire ça. On va faire ça. Et ça. Ok. Boum. Bon bah tant pis. GG, tu as tout c'était caché. Mais merci à toi pour le sub, ça fait plaisir et merci pour les dauphins. Donc du coup, ce que je disais, vidéo très bientôt qui arrivera, je pense, semaine prochaine. Où donc je vous montrerai les petits montages que vous avez faits avec ma tête en mode. En mode un peu dégueulasse, hein, parce que les montages sont quand même vachement dégueux ce que vous avez fait. On va pas se mentir. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a du level en Photoshop. Hein. Voilà, qu'on se le dise. Hein. Qu'on se le dise, qu'on se le dise. Bon, petit MGL, on va pas se mentir, c'est ça que je préfère. Hop,
Je veux les chargeurs, bien évidemment. On met la petite lunette dessus. Et on est parti avec les petites piécettes. Ouais, le type, ça avait tout fait bugger. Mais c'est bon, j'ai tout réparé. J'ai tout réparé. Bon, on va essayer de tuer quelqu'un. Une personne. Il n'y a pas un abo qui veut ce call là que je le tue. S'il vous plaît. Venez vous faire tuer, s'il vous plaît. J'arrête le stream, sinon. J'arrête tout. Le gars qui menace alors qu'il va acheter un nouveau PC de stream. Bon, où c'est qu'ils sont? Possible. Où c'est qu'ils sont, les vilains? Là, c'est quoi comme lunette? Ça, c'est pas mal en plus comme lunette, ça. C'est sympathique, ça. C'est zoom patiche. On va essayer de trouver. Il y a 53 mecs. Quand même, quoi. On devrait les croiser au moins, les mecs. C'est pas possible. Allez, s'il te plaît, un Bambi, un petit Bambi, là. Un petit Bambi, un tout petit. Kuakuch, bienvenue. Merci pour le follow, Kuakuch. On approche des 49 000 follow. C'est beau. Bientôt les 50K sur Twitch. C'est beau, les gars. C'est beau. On vit quelque chose d'intense. Vincent qui resub. Bienvenue, Vincent. Bienvenue pour un deuxième mois. C'est beau, Vincent. Bienvenue. Yep, les subs sont obligés de faire une candidature sur le serveur live. Parce que le serveur live n'est pas un serveur abonné. C'est un serveur roleplay et mature. Donc, que tu sois sub, pas sub, abonné, pas abonné. Dans tous les cas, c'est candidature, en fait. Y'a quelqu'un? Hello, guys. Hello, guys. You speak? Oh, j'ai trouvé ma première vie. Hello? You speak English? J'ai trouvé ma première victime. Ah, you're Dutch, ok. What are you doing here, man? You are in my town. I'm the chef of on this little town. What you when I want me, man? Man, if I won't kill you, you are dead, huh? So stop when I want me, please. Okay. Tant pis pour lui, hein! Tant pis pour lui! Eh oui! Eh oui! Le gars, il essayait de faire quelque chose, là. Vilain. Ça, c'est pour moi, ça. T'en auras plus besoin. On va identifier le body. Last pony. On vient de tuer la dernière licorne du serveur. Qu'est-ce qu'on avait? Ah, il avait une petite arme. À mon avis, il devait essayer de choper sa petite arme. Pas de bol. T'es tombé sur plus fort que toi, jeune homme. J'ai fait mon premier kill. John C. Eh oui. Oh là là. J'ai fait mon premier kill au bout de, je pense, 2h30 de game. J'ai trouvé une victime qui était planquée à poil derrière un buisson. Je pense que ça devait faire caca. Parce que le mec, pour ceux qui n'avaient pas vu, hein, le gars était comme ça. Et il me regardait comme ça. Je l'ai vu direct parce qu'il était en blanc. Et voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, on l'a fait. Eh oui, bah fallait bien que ça arrive en même temps, depuis le temps qu'on cherchait à tuer quelqu'un. Oh! Ouais, c'est un peu loin ça par contre. Depuis le temps qu'on cherchait quelqu'un à tuer, enfin. Enfin, par contre, ah, c'est vraiment le bordel, cette map, elle est tellement grande, il y a tellement de détails que... Pour voir qui est qui, c'est chaud. Hein. C'est chaud, mais on l'a fait. Récupère tout pour vendre. Pour le moment, on s'en fout de vendre. Je vais te dire, hop, des petites givens. Pour le moment, c'est pas très intéressant de vendre. Si tu veux, la Twitch monnaie, j'en ai. Voilà, on va pas faire le gourmand. Non, pour le moment, on va juste essayer de faire un maximum de kills. On n'est pas là pour se faire de l'argent. Si je veux me faire de l'argent, je stream, tu vois. Oh merde. Merde, c'est ce que je suis en train de faire. Non, là, l'argent, pour le moment, on s'en fout. L'argent, c'est intéressant quand t'es en team. Quand t'es tout seul, c'est bête de se faire chier à essayer de farmer les sous. Quand t'es... Enfin, moi, ma vision... après, c'est mon avis, hein. Mais quand tu joues tout seul sur Exile ou sur des jeux comme ça, l'argent, tu t'en fous, en fait. T'es un lone wolf, t'es un loup solitaire, t'es un opportuniste, tu vois. Tu prends ce que tu peux prendre et tu voles ce que tu peux voler.
Après, quand tu joues en team, c'est différent. Quand tu joues en team, peut y avoir un intérêt. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Quand tu joues en team, peut y avoir un intérêt à essayer de faire quelque chose, tu vois, d'essayer de faire une base, d'acheter des véhicules. Quand t'es tout seul, bon, ça se peut. Ça peut pas terrible. Attendez, y'a un gars. Je sais pas où il est, mais il a essayé de me tirer dessus. Je dirais qu'il était derrière moi, à mon avis. Je sais pas où il est, mais il y a un gars qui est pas loin. Vous voyez, quel intérêt d'essayer de se faire de l'argent? Quand t'es tout seul, c'est chaud déjà pour survivre, donc... l'argent, tu t'en fous, l'argent, t'es un opportuniste, et puis c'est tout, tu vois, tu tues tout ce que tu peux tuer. Et voilà. Moi, je m'arrête là, tu vois, parce que regarde, là, tu vois, je peux... Là, je peux mourir easy. Donc, à quoi bon essayer de survivre, à essayer de se faire de l'argent ou autre. Par contre, je sais pas où il est, le vilain. Est-ce qu'il s'affiche sur la carte? Ok, la carte, elle est même pas sur moi, en plus. On est là, dans la plantation de bananes. Bon, et eh ben on a un gars à chasser. Oh putain! Oh! 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 Oh la vache! Double fuck, mec! Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais what? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je viens de tuer le gars que j'avais tué juste avant, hein. Mais juste, what? Mais what? Je me suis bugué dans le caillou quand il m'a tiré dessus. Listen. I am your teacher, ok? And you are a bad guy, ok? So, so please go you fuck yourself, ok? And stop. Putain, il revient encore! Putain, il revient. Par contre, je suis dans une situation légèrement handicapante là. Si vous voulez, je peux plus marcher. Je suis dans une situation assez embarrassante. A mon avis, je pense qu'on vient de prendre cher, là. Hilt scanner. Ok, on va essayer de se heal. Ouais, bah, attends, on est un peu bugué, là. On va se mettre dans une maison. On va se mettre dans la maison. On est un petit peu handicapé, là, si tu vois ce que je veux dire. Attends, on dirait que j'ai des couilles énormes, comment je marche, là. Allez, vas-y. Rien, Pony vient de se suicider! Ah, le gars, il va me traquer. Allez. Bon, attendez, on va essayer de se... Essayer de se soigner, parce que là, on est vraiment pas bien. Allez, on va bouffer tout ce qu'on a dans le sac. Qu'est-ce qu'on a dans le sac? Vas-y, go, go, go. Bouffe, bouffe, bouffe. On va bouffer tout ce qu'on peut bouffer, parce que là, on est vraiment pas bien. Je sais pas si on va réussir à s'en remettre. Je pense qu'on va mourir, oui, oui, non, mais je pense qu'on va mourir. À mon avis, à mon avis, on vient de glitcher le jeu, là, je pense, sans faire exprès. Allez, vas-y, go, on bouffe tout. Allez, hop. Allez, 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 on y va. Il faut sauver le soldat rat, super. On est bon, là? Oh, c'est bon! On est bon! Oh là là, hey, comme... guys. What? You wanna be my friend? Where are you, man? You guys want to be my friend? Yeah, yes, if you want, we can be a friend. Why?
Faut qu'on se casse. Ah, ok, il y a... Oh, oh putain. Mais what? Mais ça lag tellement. Oh, il m'a retrouvé. Tu sais quoi, Pony? Je vais revenir et je vais tuer toi et toute ta famille, Pony. Toute ta famille de poney, là. Tu vas voir. J'arrive, Pony. J'arrive. C'est entre nous maintenant, Pony. C'est entre toi et moi. Ok, j'arrive. Putain, fais chier. Je sais pas comment il a fait pour pas mourir. Ouais, c'est un guet-apens. Pony, j'arrive. Lui, il joue en VR. Ok, Pony. T'inquiète, Pony. T'inquiète. Je crois que tu sais pas qui je suis, là. Je crois que tu viens de te faire l'ennemi de ta vie, là, mec. Je te traquerai, Pony. Je vois où t'es, en plus. T'es au milieu de la route. Il est là. Il court au milieu de la route. Il vient vers moi. Regardez-le. Regardez-le. Il vient sur moi. Regardez-le. Il vient sur moi. Il est sur la route. Viens, Pony. Viens. Viens voir le docteur. Regardez, il vient. Regardez, on va le brain. Pony, t'es un homme mort, mec. J'espère que tu le sais. T'inquiète, Pony, t'inquiète. Pony, je vais te... Même tes parents, ils ont jamais osé te frapper aussi fort, Pony. Je préfère te le dire. Oh, putain, j'ai glitch dans l'arbre. Non. Pony, t'as pas le droit. Oh, genre, il a fallu que je glitche l'arbre, quoi. Pony, j'arrive. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, j'ai pas d'explication. Écoutez, voilà. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne savais pas qu'on pouvait spawn dans les arbres. Où c'est qu'il est, Pony? Est-ce qu'il aurait pris un quad pour prendre la fuite? Cette victime-là. T'es où, Pony? Je vais jouer avec toi comme ma sœur jouait avec toi quand elle était petite. My Little Pony, hein. Attention, hein. Rien de sexuel là-dedans. On parle pas de ma cousine, là. Bon, Pony, tu vois ce que je veux dire? À mon avis, il a pris un quad pour se barrer, je pense. Mais où a-t-il bien pu aller? Ce fourbe. Pas l'arbre. Ok. Et on se pose tranquillement, les garçons. Oh là, on est bon. À vite se mettre là avant qu'il arrive, le vilain. Parfait, une hache. Inventaire. On va crafter le véhicule aussi, sinon il va me spammer. J'ai une arme. Parfait, j'ai une arme. Mais non, mais t'es bête. Prends-la dans tes mains, mec. Y a Pony qui va essayer de nous défoncer, sinon. Je pense que Pony s'est barré. Griffon, bienvenue, Griffon. Hop, le 4x4. On le met là. Voilà, boum. Parfait. On rentre à la base. Condor, reprends-toi. Voilà, nice. On prend la petite Sting. Ok, on est bon. Oh, le mode est génial. Là, j'ai un gilet de protection. On est bon. You are ready. Je suis prêt, Pony. Où es-tu? Oh, putain! Merde. Putain, il y a du monde! Ok, je vois. Boto X Doc. Je vois ce que tu veux dire. C'est son entrejambe. Hein. On peut admirer son paquet. J'arrive. T'inquiète, j'arrive. Ok, je vois. Donc, du coup... Il y a des gens dans la plantation de bananes. Il me pique mon quad, le vilain. Il est parti. Ouais, j'avoue que... On sait faire cadrer. Phoenix, pouf pouf, bienvenue. J'avoue, on sait faire cadrer. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable entre nous. C'est pas une sensation... C'est pas une sensation agréable. Voilà. Je préfère vous le dire. C'est pas une sensation agréable. Excusez-moi. Voilà, on est bon.
C'est pas une sensation agréable. Le logiciel a bugué, hein, rassurez-vous. J'ai envie de vous dire, c'est pas facile ce qu'on vient de voir, mais voilà, enfin, on va pas se voiler la face plus longtemps. C'est que sur papier que je suis un grand joueur PVP. On s'est vraiment fait marcher dessus, on va pas se mentir. On a vraiment pris très très cher. D'ailleurs, il y a l'admin qui est là en plus, attention, hein, il y a du beau monde, hein. On a vraiment pris cher, mais c'est incroyable, on s'est fait marcher dessus. Je suis très déçu de la performance que je vous propose. Moi qui pensais qu'on allait marcher sur tout le monde. Mais bon, je m'en doutais un petit peu, je ne connais pas la carte. Et puis voilà, ça streamstalk, des inconnus me streamstalk sans le savoir, c'est évident. C'est évident, la mauvaise foi, son paroxysme. Bon, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Bon, voilà, je pense que pour ceux qui connaissaient pas Tanoa, maintenant vous connaissez. Pour Exil aussi, hein, mine de rien, je vous ai montré des petits trucs intéressants. Et pour le PVP, bah, j'ai quand même tué deux personnes, je suis désolé. J'ai quand même réussi à tuer deux personnes, ce qui est, on va pas se mentir, assez rare. Alors, si je tape le sol à 60 km/h... Voilà, parfait, je voulais tester. Bon, ça s'est dû pour cet épisode. Chouchou, on est mort plein de fois, c'était génial. Bref, on se laisse là-dessus pour cet épisode. C'était fort sympathique. Merci à Bamzy, You're Lazy, GG du 62 et Vincent J45 pour le soutien. Merci pour le follow. Nous, on se retrouve tout de suite pour la suite. Bisous, chouchou YouTube. Description pour plus d'infos sur YouTube. Twitch, on continue. Chouchou.